TV et radio de vie, que Dieu soit béni pour euh, chacun. Merci pour euh, votre présence et euh, que Dieu soit glorifié. Seigneur, merci pour cette émission. Que toute la gloire te revienne, Père, notre Dieu. Au nom de Yeshua, Dieu d'Israël. Amen. Donc euh, voilà, ce soir, nous aimerions répondre à des questions, des questions qui vous trottent, qui vous viennent à l'esprit et euh, qui, euh, des questions euh, qui Peuvent parfois rester sans réponse. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, dès maintenant, appeler au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Donc, appelez-nous pour nous poser éventuellement vos questions. Et nous tâcherons, nous essayerons, grâce au Seigneur, d'y répondre. Voilà. En tout cas, Dieu. Et bon, Dieu est fidèle, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Et Vous êtes de plus en plus nombreux à être euh, encouragés, à être touchés par l'évangile, même s'il y a quelques personnes qui euh, s'opposent. Il faut toujours qu'il y ait des opposants, bien sûr. Et euh, Satan, euh, Dieu lui-même a un opposant. Donc, euh, toujours qu'il y ait des opposants pour permettre au Seigneur de pouvoir se glorifier. Au nom de Yeshua, Alléluia. On vous a annoncé dès le début de cette année que nous voulons, cette année, tout au long de cette année, jusqu'à ce que Yeshua, notre Seigneur, Yeshua revienne. Nous voulons vraiment parler du Seigneur Jésus-Christ, enseigner sur lui, afin que les écailles tombent de nos yeux. Dieu est fidèle. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Alors nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 4. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Donc, il est question du Seigneur. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Or, il y avait là la fontaine de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, se tenait là, assis sur la fontaine. C'était environ la sixième heure. Et une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais cette femme samaritaine lui dit, Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que Jacob, notre Père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son bétail. Jésus répondit et lui dit, Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser de l'eau ici. Jésus lui dit, Va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et lui dit, Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, Tu as bien dit, Je n'ai pas de mari. Car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient, de, vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui répondit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toute chose. Jésus lui dit, moi, je suis qui te parle. Ouais, ça peut paraître bizarre un peu, on se dit, mais comment ça, c'est du français tout ça Moi, je suis qui te parle. Oui, ben c'est comme ça, nous avons voulu, n'est-ce pas, traduire cette phrase tel que, hein, donc, euh, voilà, comme le grec le dit, parce qu'il y a tout un message derrière. En fait, ici, Yeshua est en train d'annoncer à cette femme qu'il qu s'appelle ⁇ Je suis ⁇ Littéralement, il est Yahweh. Voilà. Sur cela, ses disciples vinrent et ils s'étonnèrent de ce qu'il parlait avec une femme. Donc, on a quelqu'un en ligne qu'on va prendre dans quelques secondes. Pourquoi parlais-tu avec elle Voilà. Toutefois, aucun ne dit, Que demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle La femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et elle dit aux habitants, Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ Ils sortirent donc de la ville et vinrent vers lui. Cependant, les disciples le priaient, disant, Maître, mange. Mais il leur ont dit, J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Sur quoi les disciples se demandaient entre eux, Quelqu'un Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger et Jésus leur dit, Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Or, celui qui boissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Or, ce que l'on dit d'ordinaire est vrai en ceci l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce à quoi vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Or, plusieurs samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de, ce, de la femme qui avait rendu ce témoignage Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc les samaritains vinrent le trouver et ils le prièrent de demeurer avec eux. Et il demeura là deux jours. Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme :« Ce n'est plus à cause de ta parole que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est véritablement le Christ, le Sauveur du monde. » Alléluia. Quelle histoire, mes amis On va prendre quelqu'un qui en ligne. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct? Oui, bah, effectivement, la parole nous dit dans 1 Corinthiens 15, et 33 que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, côtoyer des personnes qui ont une mauvaise, euh, comment dire, des mauvaises habitudes, des personnes qui sont méchantes, des personnes qui volent, des personnes qui, n'est-ce pas, euh, euh, brûlent de voitures, des personnes qui, euh, n'est-ce pas, manquent du respect aux autorités, par exemple, des personnes qui manquent du respect à leurs parents, bah, les côtoyer, c'est euh, se créer de problèmes soi-même. Et comment faire pour éviter ces personnes eh bien, Il faut simplement leur dire la vérité. Hein. Voilà, il faudrait clairement leur dire la vérité, que leur comportement euh, voilà, n'est pas digne, n'est-ce pas, Voilà, de, de, de la foi chrétienne. Et, euh, et, euh, et puis leur dire simplement la vérité, que vous n'allez plus marcher avec elles. Il faut leur dire la vérité. Et puis quand c'est comme ça, ben vous pouvez également, euh, comment dire, effacer leurs leur contacts, leurs coordonnées, leur, télé, leur numéro de téléphone. Et puis euh, pourquoi pas changer aussi euh, votre numéro de téléphone si jamais, euh, si jamais ces personnes vous harcèlent. Donc euh, voilà, il faut se faire violence. Écoutez, vous n'allez pas avoir des problèmes avec Dieu, avec euh, également euh, les autorités, euh, parce que vous êtes dans euh, les sentiments, euh, parce que ces personnes sont proches de vous. Et euh, voilà, c'est d'abord votre vie qui, qui importe. Et, 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 euh, et voilà, donc il faut chercher par tous les moyens à, à, à être correct, à être une femme intègre, une femme honnête, une femme euh, voilà, une femme chrétienne, la femme chrétienne qui plaît avant tout à Dieu. Voilà. Ok, bon courage. Alors cette histoire, mes amis, est riche, en riche enseignement. Et euh, voilà, donc je crois qu'il y a un téléphone qui sonne. Je ne sais pas si c'est. Voilà. Cette femme est riche. Cette histoire, pardon, est riche en enseignement parce que on apprend euh, que le Seigneur Jésus-Christ était fatigué, euh, n'est-ce pas Et, euh, et euh, il devait traverser la Samarie et il arrive. Euh, et euh, à cette ville de Sichar ou Sicar. Hein, donc là, il y avait justement un champ que Jacob avait donné à son fils Joseph, et puis il y avait une fontaine, un puits qui était là. Et le Seigneur va s'asseoir au bord de cette fontaine, fontaine, et voilà, fontaine, et une femme arrive, une femme euh, samaritaine. Jésus-Christ, homme, était juif, et voilà une femme samaritaine qui arrive. Alors il y avait deux, deux raisons, deux choses qui auraient pu n'est-ce pas, empêcher cette rencontre. La première, c'est que cette femme était samaritaine. Or, elle le dit elle-même, il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Pourquoi Parce que les Samaritains étaient un peuple métissé. Un mélange, c'était un peuple issu d'un mélange entre les Juifs qui étaient restés en Israël après la déportation de dix, de dix tribus hein, d'Israël en Assyrie, en Égypte. Et euh, à Babylone, par le roi Salmanazar V. Nous sommes en 722 avant Jésus-Christ. Il y avait une partie de peuple juif qui était resté dans la Samarie. Et ce, 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 cette partie-là, ce peu des juifs restés, était mélangé avec d'autres peuples qui venaient de la Syrie, de l'Égypte, hein, tout ça, de l'Éthiopie. Et ça donnait, ce mélange avait donné justement les Samaritains. Et ils étaient considérés, les Samaritains, par des juifs euh, qui n'étaient pas mélangés, comme n'est-ce pas une, une race, une race euh, euh, souillée, voilà. Donc il n'y avait pas de relation avec, euh, entre ces deux peuples. Et la deuxième chose qui aurait pu empêcher cette relation, c'est que c'était une femme. D'ailleurs, les, les apôtres, on voit leur réaction quand ils reviennent, euh, n'est-ce pas, à des courses hein, et avec euh, avec de la nourriture, ils se disent mais pourquoi euh, notre maître parle-t-il avec une femme? Ils étaient surpris parce que euh, voilà, les femmes euh, à cette époque étaient beaucoup déconsidérées. Et, et, euh, et euh, voilà, donc là, euh, il y avait deux raisons qui auraient pu justement euh, empêcher cette rencontre. Mais notre Dieu ne regardait pas à notre apparence notre Dieu ne regardait pas, n'est-ce pas, à nos origines. Et Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui est le chemin, la vérité, la vie, mes amis, euh, n'est pas dans toutes ces considérations. Et il a pris soin, justement, il a pris le soin d'envoyer les douze apôtres chercher à manger afin de rencontrer cette femme. Parce que certainement, euh, s'ils étaient là, même s'il y avait un seul apôtre qui était resté avec le Seigneur, bah, il allait certainement euh, empêcher cette relation, cette rencontre. Voilà. Donc euh, et, et ça, on apprend ici, au travers de cette histoire, nous apprenons que la rencontre avec Dieu est une rencontre personnelle. Vous voyez, a avant tout. C'est d'abord une rencontre personnelle. Personnel, c'est entre, entre nous et Dieu, entre toi et Dieu. Les autres, d'autres chrétiens, sont là, c'est sûr, pour nous encourager, mais Dieu veut d'abord bâtir une relation entre l'homme, entre chaque individu. Pourquoi Parce que quand on vient au monde, on ne peut pas naître avec. Une femme ne peut pas donner naissance à plusieurs enfants en même temps. Même quand tu as des jumeaux, eh bien, chacun sort à. à voilà, et chacun son tour, chacun son temps. Et euh, eh bien, la vie, c'est comme ça. Donc, il y a cette, cette, ce côté un peu où euh, on va faire des choses d'abord pour nous et euh, on va d'abord sortir le premier Quand, par rapport à la naissance. et Ensuite, les frères et sœurs vont suivre. Par rapport à la mort, c'est pareil. Hein? Donc, chacun aura des comptes à rendre d'abord pour lui-même. Hein? Voilà, le Seigneur le dit. Et là, la relation avec Dieu, c'est d'abord une relation personnelle. Et. Ce soir, je voudrais vraiment nous, ex nous exhorter sur cette relation-là. La relation avec Dieu, entre l'homme et Dieu, est d'abord une relation personnelle. C'est pour cela, mes amis, il faut, être, il, faut, il faut vraiment éviter de vivre votre, votre vie chrétienne par rapport à un groupe, par rapport à une organisation quelconque. C'est d'abord une relation personnelle. Dieu veut une amitié. Dieu veut une relation entre, 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 entre nous. Donc c'est lui et nous. Lui et toi. Lui et moi. C'est d'abord ça. Et ça... C'est quelque chose que le Seigneur m'a beaucoup, beaucoup enseigné. Parce qu'avant, euh, j'essaie de vivre ma vie chrétienne par rapport aux frères et sœurs. Voilà. S'il y avait, par exemple, une réunion de prière, eh j'y allais forcément. Mais quand il n'y en avait pas, ben, à la maison, euh, c'était difficile de prier. Parce qu'on se disait, ben, voilà, il faut des frères et sœurs. C'est bien, on a besoin de frères et sœurs, mais il faut d'abord avoir une relation personnelle. On a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, vous m'entendez? Bon, la personne n'est plus là. Voilà, donc on voit vraiment ici une relation, euh, une relation personnelle avec, avec cette femme. Et quand on regarde un peu, euh, mes amis, euh, euh, la vie de cette femme, on s'aperçoit qu'il y avait aussi peut-être un, une, euh, une troisième raison qui aurait pu euh, empêcher cette relation. Hein c'était le péché donc trois choses la première elle était samaritaine donc elle était issue d'une nation qui était beaucoup rejetée beaucoup déconsidérée en fait on va dire sa nationalité voilà son origine la deuxième chose c'était le fait qu'elle qu'elle était une femme et la troisième c'était sa vie de péché parce que le Seigneur a dit a fait exprès de lui dire appelle ton mari parce qu'il connaissait cette vie, la vie de cette femme. Et elle dira, euh, je n'ai pas de mari, parce que l'homme avec qui je vis actuellement n'est pas mon mari. C'était euh, soit le mari de quelqu'un d'autre. D'accord Parce que cet aspect-là, on ne l'a souvent pas évoqué. Hein? Donc, euh, on a plus vu l'aspect euh, concubinage, tout ça. Mais euh, peut-être même qu'elle avait pris le, le mari de quelqu'un, voilà, qui a quitté sa femme, qui a quitté sa, fa sa famille, qui a quitté ses enfants et qui est allé habiter chez cette femme. Vous vous rendez compte Et le Seigneur a dit, écoute, appelle-le. La femme s'est dit, bon, si je l'appelle, si je me présente officiellement avec, avec ce monsieur euh, ici, bah, tout le monde verra que c'est le mari de Jacqueline. <laughs> et là, ça va se compliquer. Jacqueline va le savoir, certainement. Elle dit, non, ce n'est pas mon mari. OK. J'en ai eu cinq, hein, disait-il, le sixième n'est pas le mien. Donc, elle, il n'était pas le sien. Donc, c'est que c'était le mari de quelqu'un d'autre. On est d'accord. Hein? Voilà. Donc, euh, on va lire encore ce passage-là. Euh, le verset euh, 16, hein? Jésus lui dit Va, appelle ton mari et viens ici. Vous voyez, quand même, c'est magnifique. Hein? Donc, c'est une convocation familiale. Donc, c'est comme nous, nous nous retrouvons ici devant euh, la femme se retrouve devant le, le Créateur. C'est lui qui a créé Adam et Ève. C'est lui qui a créé la famille, qui a, qui a institué la famille, instauré la famille. Et il voulait parler à cet homme devant cette femme. Et la réaction de la femme, c'était, la femme répondit et lui dit, je n'ai pas de mari. Mais elle s'est arrêtée là. Elle aurait pu dire, c'est le mari de quelqu'un d'autre. Elle a dit simplement, je n'ai pas de mari. Donc on voit quand même que quelque part là, il y a une demi-vérité donc d'accord donc j'ai pas de mari juste pour dire au Seigneur bah écoute euh, ne cherche pas trop euh, à creuser hein, euh, dans ce voilà donc ça c'est un peu ma vie privée or Jésus quand il vit dans la vie de quelqu'un il veut justement te il veut creuser il veut voir toutes les pièces de notre cœur qui ne lui sont pas totalement n'est-ce pas données et là il creuse il creuse appelle ton mari tout de suite hein il ouais il, quitte le domaine de l'eau, la question de l'eau, et là tout de suite la famille. Quand, en fait, quand le Seigneur vient à la vie de quelqu'un, il va creuser, il va toucher, il va éclairer toutes les zones d'ombre, les pièces, tout ça en ténébreux, là, en ténébreux tout, il va aller voir tout ça, là, toutes les pièces ténébreuses. Alors là, ben là ça fait mal parce qu'on se dévoile. Et ici, la femme est en train d'être dévoilée devant la lumière des du, du monde. Elle est en train d'être exposée <laughs> complètement. Alors que, et là c'est le Seigneur se sert d'un don particulier, la parole de connaissance, pour dévoiler la vie de cette femme. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Ça, tu as bien dit. Mais à quelque part, tu n'as pas été jusqu'au bout. Car tu as eu cinq maris. Ça, tu ne me l'as pas dit, ça. Hein? <laughs> Et on vient devant Dieu dans sa présence, mais on va pas tout dire, on va essayer d'arranger les choses. « Tu sais Seigneur, j'ai fait ça, mais c'était pas vraiment ma volonté. » La femme ne pensait pas pouvoir être exposée comme ça. Elle est partie chercher de l'eau. Vous voyez, c'est ça qui est magnifique avec Dieu. C'est-à-dire, le jour où Dieu va nous va nous, Dieu va nous rencontrer, ce n'est pas, pas forcément un jour qu'on s'y attendait. Vous voyez on fait des projets, on fait des programmes, et puis voilà que, ah, il te coince. <laughs> voyez? Donc, un besoin, le besoin de la soif de cette femme, la soif par rapport à l'eau, l'eau naturelle, euh, voilà, cette soif l'a conduite à, 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 à se rendre compte hein, qu'elle avait soif de l'eau spirituelle. Vous comment Dieu se sert des choses? un besoin naturel un besoin physique parfois cache hein, un besoin spirituel c'est terrible c'est-à-dire un homme qui cherche la compagnie parce qu'il est seul peut-être il ne se rend pas compte que quelque part il a véritablement besoin de la compagnie de dieu d'abord et c'est comme ça que les choses se présentent voyez on cherche un travail on ne trouve pas mais peut-être que dieu veut d'abord que tu saches quel est le travail qu'il t'a confié Il y a tout ça là. Et là, la femme, le Seigneur lui, tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Car tu as eu cinq maris, femme. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc, en fait, nous comprenons vraiment que cette femme avait piqué le mari de quelqu'un. Hein? Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Parce qu'en en fait, elle a compris que le Seigneur l'a démasqué. On ne peut pas se retrouver devant Jésus-Christ et cacher sa vie. Ce n'est pas possible. De toute façon, quand sa présence vient, on, se, on commence à se dévoiler soi-même. Ah, oh, j'ai fait ça. Ah, oh, je fais ci. Et quand on sort de là, on, on dit aux, aux, aux gens, mais qu'est-ce qui m'a appris là je ne comprenais pas devant cet homme, j'étais obligé de tout dire. Je sentais qu'il fallait que je balance tout, que je balance tout. Mes amis, et c'est terrible. Et la femme dit, mais nos pères nous ont dit qu'il faut adorer sur cette montagne. Et vous vous dites que c'est à Jérusalem. En fait, cette femme était vraiment dans la confusion. Elle ne savait pas si c'était ses, ses pères qui avaient la vérité, qui avaient raison, ou si c'était les juifs. Donc elle était complètement confuse. Voilà. C'est quand on se trouve dans la confusion que Dieu vient se révéler. C'est quand on ne sait plus quoi faire. On se dit, mais là je suis coincé. Je ne sais vraiment plus comment m'organiser. Et c'est souvent là que Dieu vient et il nous parle. Et le Seigneur lui dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Voilà, le temps, il y a un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Et il dit quelque chose de fort, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est fort. C'est-à-dire qu'on peut adorer Dieu sans le connaître. On peut même le prêcher sans le connaître. D'ailleurs, Paul, et comme beaucoup d'autres, comme nous autres dans le passé, hein, on pouvait prêcher les choses, tout ça comme Paul le faisait, il pensait bien faire. Et puis un jour comme ça, Dieu se révèle à lui. Ah, oh, quelle parole, quelle, quelle grâce. Oui, allô, bonsoir. Allô Oui, vous m'entendez Très bien. Oui, bonsoir. Oui, vous m'entendez, c'est bon Vous pouvez y aller. Oui, donc je pour vous poser une question en fait, concernant la, la, la parole de en fait, euh, Dieu. En fait, il dit qu'il faut obéir à ses parents. Enfin, en fait, il faut répondre à ses parents parce que euh, c'est le seul commandement euh, euh, enfin, accompagné du promet, c'est bien ça Effect donc, Effectivement. Mais maintenant, je vais savoir dans le cas du mariage, quand on est marié en fait, et que nos en fait, parents ont dit qu'on veut faire des choses, ouais vous ne pouvez pas comment dire euh, si vous voyez que ce que vos parents vous demandent euh, peut amener euh, des conflits dans votre foyer bah, euh, ça dépend tout est relatif euh, ça dépend de ce que euh, vos parents vous demandent s'ils vous demandent par exemple de prier mmh. et que votre mari euh, vous dit de ne pas prier bien sûr qu'il faut obéir aux parents parce que Dieu demande à ce qu'on prie. Oui. Donc tout dépend de ce que vos parents vous demandent. ou Mais dans Dans ce cas-là, si vous demandez de faire des choses euh, qui n'ont rien, rien avec la parole du Seigneur, mais il faudrait vous mettre aussi en accord avec votre, votre mari. C'est la moindre des choses parce que vous êtes marié, vous êtes. Euh, voilà, euh, la parole est claire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et je pense que pour la femme, c'est pareil. Il faudrait d'abord, euh, étant marié, vous mettre en accord, euh, mettez-vous d'accord avec votre mari, et ensuite, euh, euh, voilà, vous pouvez faire ce que vos parents vous demandent, parce que euh, c'est tout, parce que vous ne pouvez pas, comment dire, obéir à vos parents alors que vous ne vivez plus chez eux, et euh, pour avoir des conflits après dans votre foyer, ce n'est pas correct. Donc il faudrait aussi que vos parents comprennent que vous êtes une femme mariée et euh, qu'ils ne vous demandent pas euh, de faire des choses pour eux comme si vous étiez encore euh, chez eux. Ils peuvent nous demander service, c'est vrai, même étant mariés, mais il faudrait, il faudrait que les parents aussi soient suffisamment euh, intelligents, euh, compréhensifs pour ne pas euh, empiéter sur la vie euh, privée de leurs enfants. D'accord. Et lorsque parce que que pas C'est un péché tout ça Non. Non, pas du tout parce que là, et, euh, quand on est sous le toit des parents, si on, est, si on vit chez eux, ce n'est pas pareil. Et là, vous êtes marié donc vous êtes un, un autre, sous un autre régime. Et euh, voilà, donc c'est... Voilà. D'accord. Bon, Alors, je vous remercie, question, je... Ok. Bon, bah, bonne, bonne continuation. Merci. Voilà, donc ça, c'est une belle histoire. Et comme on disait... Euh, et la femme qui avait piqué la, le mari d'autrui, certainement, euh, mari de truie, et là, elle se retrouve dévoilée, démasquée, déshabillée. Hein? Donc, euh, et, euh, et là, vous voyez comment ça passe de l'eau à la famille. Et puis, hein, donc euh, voilà, regardez, regardez bien l'entretien ici, le dialogue, l'évolution, le déroulé de, cette, de cet entretien. L'eau. Ça passe de l'eau, ensuite le mariage, la famille, tout ça. Et ensuite euh, l'adoration. Hein, donc le lieu où il faut adorer. Bon, il y a eu plusieurs sujets hein, qui, ont, qui ont été évoqués ici. Et, et, euh, et ensuite, euh, on parle du Messie qui doit venir. Je sais que le Messie viendra. Mes amis, ici, si la femme a dit ça c'est qu'elle avait en face de lui quelqu'un qui ne ressemblait pas du tout à un Messie. Vous vous rendez compte? Elle parlait avec le Dieu Tout-Puissant, elle parlait avec le Messie, elle ne s'est même pas rendue compte que c'était lui. Je veux dire, en fait, on comprend par ici que le Seigneur était habillé comme tout le monde. Vous voyez Tu vois, non Trésor. La Bible est beaucoup et pleine de trésors, pleine de. C'est impressionnant. Voyez, le Seigneur n'avait pas une tenue messianique. Mmh. <rire> mmh. <rire> Il n'avait pas un vêtement sacerdotal. Pas de costume et cravate. Pas de soutane avec je ne sais pas quoi, avec la kippa. Ou je... il, était, il était normal. Hmm? Normal. Et la femme dit, bah, je sais que le Messie viendra. Je le sais. Je sais. Et <laughs> le sais. On l'attend. Le Seigneur dit, mais je suis là. Vous <laughs> voyez et c'est ça qui est paradoxal, c'est ça qui est glorieux avec notre Seigneur Yeshua. C'est-à-dire, il était tellement simple. Contrairement à l'image que l'on nous montre aujourd'hui. L'image de Jésus-Christ, l'image des de, de, de prophètes, des pasteurs, qui, qui sont, ces hommes qui sont pompeux, qui sont, mais un homme simple, qui pouvait parler avec une femme. Parce que dans sa tête, à cette femme, le Messie n'allait pas parler avec une femme. Vous voyez donc le Seigneur était tellement simple que cette femme se dit non ça ne va pas être le Messie. Elle dit simplement je vois que tu es un prophète parce que tu as eu la parole des connaissances mais le Messie. Hmm. <laughs> Regardez bien ce qui est magnifique on va répondre tout à l'heure vous inquiétez pas et ce qui est magnifique ici mes amis c'est que Jésus n'a même pas dit qu'il était prophète. <laughs> C'est dans le déroulé dans le déroulement de la discussion que la femme a eu a vu le fruit. Donc le Jésus qu'on nous présente alors dans les Églises là, pourquoi il est si différent de celui dont parle la Bible Il est il était sur terre le prophète le, le plus puissant, le plus glorieux, le plus puissant. Pourtant il n'a même pas dit à cette femme qu'il était prophète. Il a simplement parlé, discuté. Et la femme dit elle-même, elle-même, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Comment ben, Je suis à une parole de connaissance avec précision. Femme. Tu as eu cinq maris. Et celui avec qui tu sors là, il n'est pas ton mari. <laughs> Donc le Seigneur voulait lui faire comprendre que je suis contre le divorce, femme. <laughs> tu as piqué la femme de lequel, euh, le mari de quelqu'un. Hein? Tu, as, tu as divorcé cinq fois. Eh bien, je suis contre. Ah, bah ben oui, je vois. Comment tu as su ça Eh bien, je vois, tu es prophète. Et tout au long de la discussion. Maintenant, par rapport au, au, au fait qu'il était le Messie, et là, c'est le Seigneur qui se révèle. Parce que là, il faut, pour reconnaître le Messie, il faut que le Messie euh, te le dise, que je suis le Machia. Et là, il dit, ben, je suis le Messie, je le suis moi qui te parle. Et, euh, et puis, dans ce quand la femme a eu la révélation qu'il fallait, les disciples sont arrivés. Seigneur, ils sont arrivés à la fin du dévoilement de Jésus-Christ. Le prophète, le Messie. Et là, ils arrivent et tout de suite, ils étaient étonnés. Hein? Et là, la femme s'en va. On parle plus de la femme. Tout de suite, les, les disciples qui commencent à parler, mais maître, il faut que tu manges, maître. Tout de suite, ouais, comment ils étaient charnels. Et la femme part. Elle va dire à toute, à toute, toute sa ville, venez voir un homme. Et c'est ça l'Évangile. Elle n'a pas dit, ça y est, je suis chrétienne, je vais commencer une église pour moi, tout seul, toute seule. Hein? Je veux gagner beaucoup d'argent. Elle dit: non, 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 non. Ce que moi j'ai vu, j'aimerais que vous, vous, vous le voyez aussi. Parce qu'elle a, elle a dit quoi? Je vois que tu es un prophète. Alors elle dit: mais venez voir un prophète. Le prophète que j'ai vu, parce qu'il m'a tout déballé. Vous savez qu'à Samarie, il y avait certainement des prophètes, il y avait des magiciens, il y avait des voyants avec un moiseur, mais personne n'avait sorti une prophétie avec autant d'exactitude, avec autant de précision. Et là, elle dit, venez voir un homme. Vous savez, on doit prendre l'exemple de cette femme. C'est-à-dire présenter aux gens l'évangile dans sa simplicité. Venez voir Dieu. Écoutez, qu'est-ce que la femme a dit Venez, venez voir un homme qui m'a tout dit. C'est ça l'évangile. On prêche aux gens pour qu'ils viennent voir ce que notre Dieu est capable de faire. On ne les enferme pas dans des bâtiments. On ne les enferme pas dans des dogmes. On ne les afferme, enferme pas dans une vision sectaire. On leur dit simplement Vous voulez savoir si Dieu existe Vous voulez savoir si Dieu est tout puissant Eh bien, venez voir. Il guérit les Sidéens il guérit les aveugles. Parce que l'évangile, c'est quoi La femme n'a pas commencé à parler des faux prophètes à gauche à droite. Elle n'a pas commencé à, à vouloir parler des gens étant assise chez elle devant un ordinateur hein, pour parler, parler, faire des recherches à gauche, à droite, tout ça, toute sa vie. Six heures de discussion, six, six heures de critique. Hein? C'est pas ça l'évangile. C'est beaucoup, six heures. Six heures pour une vie, c'est beaucoup. Pour une journée, pour écouter des salades, des histoires sur les uns, les autres, nous, on n'a pas besoin de ça. 6 heures pour dire un tel a fait ci un tel a fait ça, regardez le pasteur là-bas il fait manger de l'herbe aux gens, on a plus de temps là il y a pas tout le monde peut faire ses propres, propres recherches il y a Google, tout le monde peut le faire hmm? vous tapez sur Google pasteur qui fait manger de l'herbe aux gens on, 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 on vous allez trouver ça c'est pas ça l'évangile la femme a dit venez voir un homme qui m'a tout dit, c'est ça l'évangile venez voir le Dieu que nous prions, que nous servons le Dieu capable de sauver il y a un homme dans la Bible qui s'appelait hein, le général. C'est un grand général, Naaman. Cet homme était lépreux. Il était malade et il était riche. Personne n'a pu le guérir, le soigner. Et cet homme syrien d'origine avait, n'est-ce pas, une, euh, euh, chez lui une jeune fille juive. Elle était leur esclave. Elle servait sa femme. Et la jeune fille juive dit à cet homme, à, la, à sa femme, à la femme de cet homme Si mon maître Naaman était en Israël, il rencontrerait le prophète qui est là-bas, Élisée notamment, et le prophète le guérirait. Alors Naaman entend cela il prend la route jusqu'en Israël. Et le prophète Élisée lui dit, va te laver cette fois dans le Jourdain, tu seras guéri. Le Jourdain signifie celui qui descend. Donc il fallait que cet homme descende un peu de son, voilà, de son orgueil. Et là, il a été guéri. Mes amis, c'est ça l'évangile. Nous voulons présenter au monde, un monde aujourd'hui chaotique, un monde qui souffre, un monde qui pleure, un monde rempli d'injustice, un monde rempli de maladies incurables, un monde rempli de gens qui pleurent, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire, des gens qui sont seuls, qui se sentent condamnés, un monde qui est en perdition, en perte de vitesse. Et ce monde a besoin d'un autre son de cloche. Et nous voulons justement vous présenter Jésus-Christ de, de Nazareth qui est prêt à sauver. Près de libérer, hein, donc à libérer toutes sortes de personnes qui sont dans les besoins, comme cette femme transformée. Elle passe de la, du péché à la sanctification, voyez. Et toute la ville arrive auprès du Seigneur suite justement au témoignage que cette femme avait rendu. Et les gens lui disent ensuite après avoir écouté après eux-mêmes après avoir écouté le Seigneur, ils ont dit à la femme :« Ce n'est plus à cause de ta parole. » Que nous avons cru mais c'est à cause de sa parole nous l'avons nous-mêmes entendu Vous voyez la relation avec le seigneur on entend l'évangile prêché par les hommes on vient euh, on va dans les euh, réunions de programme au programme de prière mais il ne faut pas s'arrêter seulement sur ce que les hommes nous ont apporté il faut aussi prier dieu hein, pour recevoir n'est ce pas euh, pour être dans cette communion là ces hommes ont entendu le témoignage le témoignage de la femme ils ne se sont pas arrêtés sur la femme pour faire d'elle leur prophétesse, leur chef, leur gourou, et ils sont allés vers le Seigneur. Ils l'ont écouté aussi. Vous voyez, et c'est ça l'évangile. Vous entendez ce message Ne vous arrêtez pas sur nous. Nous sommes vos frères, comme vous le savez. On continue à prier les uns pour les autres. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, chacun de vous, chez lui à la maison, doit développer sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Je voulais juste vous exhorter vraiment là-dessus. Ce que Dieu veut, c'est votre relation personnelle. Et vous serez des chrétiens affermis. Ne courez pas toujours après la prière, l'imposition des mains, tout ça. Priez aussi que le Seigneur se révèle à vous. Et c'est ça le message. Priez que Dieu se révèle à vous. Nous voulons que chacun de vous ait une relation avec Dieu. C'est ça la chose la plus importante parce que le jour où nous mourrons, eh mes amis, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Je ne vous prêche pas une religion. Je ne vous prêche pas une assemblée. Je ne vous prêche pas une église. Nous ne vous prêchons pas ces choses-là. Nous voulons vous présenter Jésus-Christ de Nazareth. Il est véritablement sauveur, le sauveur du monde. Il est le Seigneur, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Il le dit lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas changer ce qui est écrit. Voyez? Et nous voulons vraiment encourager chacun de vous à développer cette relation personnelle avec le Seigneur. Et là, vous serez fortifiés, vous serez encouragés. Et si vous avez cette relation avec le Seigneur, vous n'allez pas vous laisser tromper facilement. Vous ne serez pas séduit parce que le Seigneur vous gardera dans sa présence. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Oh, la personne n'est plus là. Alors le verset 40, 40, 40, 42 dit, et il disait, donc les hommes, de les habitants de la Samarie, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ta parole que nous croyons. Vous voyez, vous voyez la progression Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est véritablement le Christ, le Sauveur du monde. Vous voyez l'évolution et euh, donc, ils ont cru, les Samaritains qui étaient rejetés par, les, beaucoup, de, par beaucoup de Juifs, hein, et ce sont eux qui ont reçu le Messie. Vous vous rendez compte Ce peuple mélangé, ce peuple métissé, ce peuple rejeté, ce peuple traité de tous les noms, rejeté, méprisé à cause de leur nationalité à cause de leur origine. C'est pour cela mes amis ne laissez personne vous mépriser à cause de la couleur de votre peau. Noire ou blanche, jaune ou arabe ou euh, métisse et euh, je sais pas, peu importe ou indien ou euh, je sais pas, ne laissez personne vous mépriser à cause de votre origine, n'est-ce pas euh, Parce que vous êtes issu d'un pays qui est beaucoup combattu, méprisé. Ne laissez personne, n'est-ce pas, vous mépriser parce que vous avez eu un passif, vous avez un passif parce que vous avez euh, fait beaucoup, beaucoup de mal dans le passé. Ne laissez personne vous condamner parce que et, euh, vous êtes euh, euh, petite, petite, grande ou euh, trop grande ou, et, ou euh, forte. Nous ne laissez personne vous minimiser parce que votre valeur, n'est-ce pas, euh, ne, ne vient pas de ce que vous êtes, euh, de ce que le monde vous a fait, de ce que le monde vous a donné. Euh, votre valeur ne, ne vient pas de ce que les hommes disent. Euh, ne dépend pas de, de euh, la, la, votre bonheur, ne dépend pas de ce que les hommes euh, pensent, de ce que les hommes disent. Et, euh, mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui... C'est Dieu qui honore. Dieu est tellement puissant qu'il peut faire de n'importe qui son messager, et on le voit ici. Qui pouvait écouter cette femme, honnêtement Qui pouvait l'écouter Qui pouvait la suivre Mais pourtant, c'est elle qui est devenue, n'est-ce pas, la, la porte, euh, comment dire, le porte-parole de Jésus-Christ pour les Samaritains. Elle a eu le privilège d'aller leur annoncer, n'est-ce pas, le Messie, de leur présenter le Messie, une femme. Ne laissez personne, mes soeurs, euh, vous museler. Ne laissez aucun homme vous museler, parce que vous serez une femme. Il faudrait complètement vous taire, hein, parce que ces hommes sont machos, parce qu'ils n'ont pas compris l'enseignement de Paul. Bien sûr, chacun a sa place, chacun doit être à sa place, mais ne laissez personne vous empêcher de faire ce que le Seigneur vous met à cœur. Dieu vous met-il à cœur de vous occuper des, des veuves, des orphelins Faites-le. Dieu vous met-il à cœur d'aller aider les uns et les autres Faites-le. Ne laissez personne, n'est-ce pas, vous minimiser. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur nous, sur moi Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait pour, n'est-ce pas, m'empêcher de faire le travail Il est ci, il est ça, il ne peut pas, vous verrez. Mais le Seigneur m'a dit, tu vas le faire. Et à chaque fois, le Seigneur a glorifié son nom. À chaque fois, il glorifie son nom. Faites ce que Dieu vous met à cœur, et si celui qui vous envoie, vous verrez la gloire de Dieu. Et cette femme a laissé sa cruche, n'est-ce pas, son, son fardeau. Le Seigneur a dit, venez à, venez à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quel est le problème qui te ronge, mon frère, ma soeur Et si tu mets ta foi en Dieu, en Yeshua, tu seras fortifié. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, merci. Bonsoir. Euh, oui. Euh, je suis vraiment, euh, vraiment bénie par ce, ce message ce soir. Le Seigneur me parle vraiment personnellement. Euh, donc, ma question, c'est euh, voilà, par la grâce de Dieu, je reçois beaucoup de chants nouveaux. Et euh, certains, c'est en. J'ai l'impression que c'est des chants, des, des, des langues connues. Échange, je peux les partager. Bien évidemment euh, parce, que ça peut... parce que je ne comprends pas exactement. Mais euh... ben vous pouvez euh, si vous avez vous habitez en région parisienne euh, non, dans, le nord. dans le nord. Mais si vous pouvez euh, passer euh, un jour euh, venir sur Evry, ce serait une bonne chose comme ça. Euh, je pense que l'équipe de musique de vie pourra bien vous aider, vous encourager, vous soutenir. Pourquoi pas, euh, effectivement, euh, organiser une émission autour de ça D'accord. Hum. Okay. Merci beaucoup, que vous bénisse. Merci, je vous en prie, au revoir. au revoir. Voilà mes amis, donc pour finir, vous voyez, une femme, une femme, j'entends bien par là, une femme, c'est écrit. Donc il y avait plusieurs raisons qui pouvaient l'empêcher de, bien sûr, euh, euh, servir le Seigneur. La première, c'était euh, euh, son origine, hein, sa nationalité, son pays. Voilà. Elle était samaritaine, un peuple méprisé, voilà. un peuple traité, bien sûr, euh, de tout le nom, parce qu'il y avait justement ce mélange. Et la deuxième raison, c'était qu'elle était, qu elle était euh, une femme, elle est née femme. Vous voyez, elle n'a pas choisi son pays, elle n'a pas non plus choisi son sexe. Et la troisième raison, vous savez, mes amis, c'est qu'elle avait une vie de péché. Elle était avec le mari de quelqu'un. Mais ce, ces trois raisons principales n'ont pas empêché Dieu de se révéler à elle. Et tant que vous êtes en vie, il y a de l'espoir que Dieu se révèle à vous. C'est pour cela qu'il ne faut jamais désespérer. Vous qui êtes désespéré, vous qui êtes fatigué. Je tenais à vous dire ce soir qu'il y, 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 y a une espérance, il y a un espoir. C'est à vous. Ne vous laissez plus abattre, ne vous laissez plus décourager. Tenez bon, criez à Dieu de toutes vos forces. Faites-lui confiance. Dieu se glorifiera. Le but, le but de notre message, c'est quoi De l'évangile, c'est de vous présenter Dieu, Jésus-Christ. Et ensuite, c'est à vous, maintenant, n'est-ce pas, d'aller vers le Seigneur pour entamer cette relation, pour être dans cette relation avec, avec lui comme les Samaritains. Ne transformez pas les prédicateurs en idoles. C'est pas ça, l'évangile. C'est pour cela que nous ne voulons pas que les gens se forelaient sur nous, mais nous voulons vraiment les amener au, au, au trône hein, de, de, du Seigneur et, et, et le laisser là avec le Maître. Et chacun maintenant aura sa relation avec le Seigneur et chacun va pouvoir prier comme Dieu le conduira, méditer la parole des yeux et aussi obéir au Seigneur dans tout ce qu'il lui demande. Donc aider les autres. Aimer ses ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, tout ça. Donc, que le Seigneur vous garde en tout cas. Merci pour votre soutien, que Dieu vous garde et nous vous donnons rendez-vous demain, 20h30 heure de Paris, pour une nouvelle émission sur TV et à Radio de Vie. A bientôt. Au revoir.